Chers amis de Coaching TV, bonjour et bienvenue pour le résumé des sujets qui font la une des quotidiens cette semaine en Afrique. Au Bénin, le premier sujet dominant de l'actualité gravite autour du secteur de la santé. La Nouvelle Tribune rapporte que la prévention et la lutte contre le paludisme vont se renforcer davantage au Bénin. Et pour cause, le Bénin vient de réceptionner 215 900 doses de vaccins antipaludiques. Il s'agit du vaccin RTS-S autorisé par l'Organisation mondiale de la santé OMS. À en croire le quotidien La Nation, le Bénin est le quatrième pays à recevoir des doses de vaccins antipaludiques après le Cameroun, le Burkina Faso et la Sierra Leone et pourra démarrer d'ici quelques mois son administration aux enfants de moins de 2 ans. En effet, selon le ministre de la Santé, l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination est une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie au Bénin. Pour rappel, l'OMS a validé ce vaccin il y a quelques mois. Le matinal souligne que c'est un engagement résolu du gouvernement de Patrice Talon de lutter contre le paludisme afin de sauver des milliers d'enfants des mains de cette maladie. Alors que le Bénin redouble d'efforts dans la lutte contre ce mal, le Cap-Vert célèbre sa certification officielle en tant que pays exemple de paludisme, fait savoir le journal de la santé. Selon le Monde Afrique, le Cap-Vert est le troisième pays d'Afrique à éradiquer le paludisme. L'archipel a fourni la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques est interrompue à l'échelle nationale pendant au moins 3 années consécutives. En Afrique, outre l'île Maurice et le Cap-Vert, l'Algérie a été déclarée exempte de paludisme en 2019. Il faut donc féliciter ces nations qui sont parvenues à bout du paludisme et encourager les autres pays comme le Bénin qui ne ménagent aucun effort pour relever le défi. Pendant ce temps, le président de la République, Patrice Talon, face à la presse internationale, a fait le point des Vodun Days ayant eu lieu les 9 et 10 janvier dernier à Ouidah. Pour le chef de l'État, il s'agit de faire redécouvrir notre identité à nous-mêmes, rapporte La Nation et au matinal d'ajouter que Patrice Talon entend au travers des Vodun Days révéler l'art et la culture qui tourne autour de cette religion au monde entier. Cette initiative de son gouvernement doit pouvoir suivre après son départ du pouvoir, a laissé entendre le président de la République au micro de la presse internationale. Et parlant de la gouvernance au Bénin, le coach Patrick Amampouillon, dans une émission sur Coaching TV, a fait un peu le tour pour nous donner son éclairage en tant que coach. De l'agriculture à l'éducation en passant par le sport ou la santé, l'invité de Johannes Towanou reconnaît que beaucoup de choses se font bien par le gouvernement de Patrice Talon. Mais il fait observer quelques couacs qui doivent être corrigés pour mieux faire. Dans le secteur de l'éducation, par exemple, le coach fait savoir qu'il faut que les réformes touchent le contenu de l'éducation. La formation de l'homme et de tout l'homme doit être revue. Cette sortie médiatique du numéro 1 mondial du coaching est à retrouver sur la page YouTube Coach Poyon officielle. Pendant ce temps, le Nigeria progresse vers ses ambitions de devenir le premier raffineur d'Afrique, informe Fraternité. Car selon les explications du site Africa News, la raffinerie Dangote a commencé à produire du diesel et du carburant d'aviation. Certains citoyens ont exprimé l'espoir que la nouvelle usine contribuerait bientôt à réduire les prix du gaz à la consommation qui ont triplé par rapport à l'année dernière après que le gouvernement nigérian a mis fin à des subventions qui duraient depuis des décennies. Pour rappel, cette usine va desservir le Nigeria en carburant, mais aussi plusieurs pays africains comme le Bénin. Une bonne nouvelle dont on ne peut que se réjouir. Parlons diplomatie dans cette revue. Le président Foya Singbe a effectué lundi 15 janvier 2024, une visite d'amitié et de travail à Nouakchott, en Mauritanie, après le passage de Macky Sall la semaine dernière. Selon les sources de la présence de la République togolaise, rapportées par le site Le Nouveau Reporter, les deux dirigeants ont discuté des moyens de développer les relations entre les deux pays. Les échanges ont porté pour l'essentiel sur les sujets liés à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi que sur la coopération bilatérale et les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président Foya Singbe conduit au niveau régional une diplomatie caractérisée par l'attachement à la paix et à la stabilité des États, gage d'inquiétude pour les populations, de croissance économique et de développement, relève le site Elite d'Afrique. Pour rappel, le président Foya Singbe a déjà conduit beaucoup de négociations pour la résolution des crises en Afrique de l'Ouest. Si ce n'est pas pour la première fois que le président togolais est reçu par son homologue mauritanien, Mamadi Doumbouya, lui pour la première fois depuis son accession au pouvoir par la force, le chef de
l'État de la Guinée est annoncée à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. L'information émane de Jeune Afrique et relayée par le site BeninWeb TV. Selon le média, un proche des dirigeants guinéens est arrivé dans la capitale ivoirienne le 15 afin de préparer entre autres le déplacement du président Doumbouya en terre ivoirienne. Si la date de cette rencontre entre les deux personnalités n'est pas encore connue, elle va permettre quand même un rapprochement entre les deux présidents. Qu'il vous souvienne que Mamadi Doumbouya, en septembre 2021, a renversé le pouvoir de Alpha Condé. Étant venu au pouvoir par la force, ses rapports avec les présidents de la sous-région sont un peu moins fréquents. Cette visite annoncée chez Alassane Ouattara pourra lui faire gagner des points chez les chefs d'État de la sous-région. En tout cas, rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr du côté du Tchad est la désignation de Mamad Idrissa Déby Itno comme candidat à la présidentielle par son parti réuni en congrès à N'Djamena. Jeune Afrique souligne que désigné comme son candidat par l'ancien parti au pouvoir, le MPS, le président de la transition est officiellement engagé vers la prochaine présidentielle. Il est ainsi le premier candidat d'un parti politique pour les élections prochaines. À 37 ans, Mamad Idrissa Déby Itno est arrivé au pouvoir en avril 2021 après la mort de son père Idrissa Déby Itno, tué par des rebelles en se rendant au front. Il avait pris l'engagement à son arrivée au pouvoir de ne pas se porter candidat, mais entre 2021 et 2024, beaucoup de choses se sont passées, est-on tenté de dire. L'opposition tchadienne voit en cette candidature une trahison. Au Comore, le président Assali Zoumani n'est plus à l'étape de candidature, mais réélu pour un troisième mandat après les élections de la semaine dernière, informe Le Monde Afrique. Juste après la proclamation des résultats, le chef de l'État s'est félicité du bon déroulement du scrutin, mais l'opposition dénonce des irrégularités. Finissons avec les échos de la Côte d'Ivoire, avec qui toutes les caméras et micros sont tournés depuis le samedi dernier. Après son élection à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam entame le processus de transition pour une restructuration de la formation politique, mentionne Ouattara depuis le Faso. Selon Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI, Tidiane Thiam aspire à insuffler un nouveau souffle au parti. Le parti prévoit également de lancer une caravane à travers le pays après la CAN pour élargir sa base. Au total, et à en croire Actualité Express Info, le processus de transition et de restructuration du PDCI s'annonce comme un chapitre clé dans l'évolution politique de la Côte d'Ivoire, avec Tidiane Thiam en tête pour insuffler une nouvelle ère au sein du parti. Comme prévu, la CAN 2023 a débuté en beauté en Côte d'Ivoire avec beaucoup de surprises. Des grandes équipes du continent ont été tenues en échec pour la plupart par des nations dites petites en football en Afrique. Côte d'Ivoire, pays organisateur, s'est mise en difficulté en perdant son deuxième match face au Super Eagle du Nigeria. Les éléphants pourront-ils se qualifier au dernier match du lundi face à la Guinée équatoriale? Il va leur falloir une puissance des pensées joyeuses pour réussir une telle mission. Et justement, dans l'émission à l'ombre du coaching, Coach Pouillon nous a parlé de la puissance des pensées joyeuses. Entendez par pensées joyeuses les pensées qui donnent la joie, qui donnent l'appétit, qui donnent la santé. Il faut coûte que coûte que nous développions les pensées joyeuses pour attirer les bonnes choses. Mais ne pas développer les pensées joyeuses risque de nous conduire à la dépression. D'où viennent les pensées joyeuses et comment les développer? Un tour sur la page YouTube Coach Pouillon officiel pour tout comprendre. Ce sera tout pour cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Kapou avec Guillaume Lafond depuis le studio comme la Bena Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.